gérer les différents caractères, managing different behaviors, les différents comportements, different behaviors, dans le couple, in the couple, les tensions dans le couple, tension in the couple, comment on les gère, how to handle them, comment on les gère, how to handle them, comment on règle les problèmes, how to sort out the problem. Quel est le problème qui gâte les choses? What is the problem that spoil things? Quel est ce comportement qui gâte les choses? What's that behavior that spoils? Je vous invite things? À venir avec moi. Inviting you to come with me. Dans Galates, Galatians, chapitre 5, le verset 19. Chapter 5, verse 19. Je vous invite à lire avec moi. Inviting you to read. Alors with cet après-midi, so this afternoon, ça sera un échange. It will be an exchange. Le samedi, on Saturday, nous allons approfondir. We go deeper. Le dimanche prochain, and on Sunday, on va aller en eau profonde. We go further. Amen. Amen. Lisons donc ensemble. Let's read together. 1, 2, 3 lectures. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimies. On dit inimité ou inimitié. Parlez bien. Faites pas comme si vous lisez bien. Dis voisin, lis voisin, lis. Neighbor, read it. Quand ça arrive là, et puis chacun saute. Chacun fait comme ça. On va reprendre la lecture. We'll read c'est ça, tu as more. Fait comme missionnaire jusqu'à. Tu as lu aujourd'hui. Non, désigné, non? On va reprendre ensemble. On va reprendre. 1, 2, 3 lectures. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'iront pas au paradis. Donc jalousie ne va pas au paradis. So the jealous won't go to heaven. Le covid ne va pas au paradis. Envy won't go to heaven. Les essais de table, Dieu lui-même qui m'a béni là. Et puis je mange no matin, midi, soir. Je fais prolongation de nourriture. I hate all time. Donc Dieu dit que si je mange comme if ça, je n'irai pas au ciel. That way, I won't go to heaven. Donc l'animosité, that, la jalousie, jealousy, les divisions, division, les sectes, sect, les magies, les querelles. Magic, quarrels. Donc je peux prier. I may pray. Je peux parler en langue. I may speak in tongues. Je peux être baptisé. I may be baptized. Je peux être marié. I may be married. Mais s'il y a ces choses dans ma vie, but if those things are in my life, Jésus dit, Jesus said, je vous le dis, I'm telling you, ces choses-là, those things, ceux qui ont ces comportements, those who behave like that, n'hériteront pas. Won't inherit. Ils n'auront pas le royaume des cieux they won't inherit the kingdom en héritage. Of heaven. Autrement dit, in other words, ils auront une vie frustrée. They will be frustrated. Donc savoir que knowing, mon papa est milliardaire my dad is a billionaire, et puis dans mon compte en banque and in my bank account, c'est mis zéro. Zero. C'est ça qu'on appelle être frustré. It's what we call being frustrated. Quelquefois le gestionnaire t'appelle. Sometimes they can't manage your puisqu'il connaît ton père. As he knows your dad. Il dit bon, je ne comprends pas c'est comment. Tells you I don't understand it. Il n'y a pas de mouvement. There's no il n'y a pas de dépôt. No transaction, deposit. Parce qu'il connaît les activités de ton père. He knows the activities of your dad. La Bible dit the Bible says, jalousie, jealousy, ivrognerie, drunkenness. Les jeunes, on se comprend? Young people, on s'en zèle. We're going to drink. La zèle. You drink. Pâques arrive. On se tue à volonté. After your exam, you kill yourself. Noël. On va pas à l'église. On Christmas. Anniversaire. On c'est gâté, nanina. It's serious. Gâtage. Dis frère. C'est brother. Sœur. Sister. Oh, il dort, pas le réveil. Frère. Wake up. Sœur. Tu risques brother, sister, de ne pas hériter du royaume. You run the risk not to inherit the kingdom. Maintenant, ce qui concerne les femmes. About women. Jalousie. Jealousy. Querelle. Quarrels. Ça, là, c'est pour les femmes. It's for women. Donc tu peux avoir 1000 perruques you may have 1000 wigs et être bloqué à la porte du paradis. Be blocked at the doors of heaven. À cause de bouche là. Because of your mouth. Comment gérer les différents caractères?
How to handle different behavior. Dans le couple, in the couple, chacun a sa façon each de voir. His way of seeing. Chacun a son éducation. Each one has his own education. Chacun a sa conception. His own conception. Mais Dieu nous met ensemble. But God puts us together. Pour atteindre un objectif commun. To reach a common aim. Comment gérer les tensions dans le couple? How to handle tension in the couple. Nous avons vu le vendredi dernier. We saw last Friday. Les différents modes opératoires de l'homme fort. Of the strong man. Comment l'homme fort how the strong man arrive à déstabiliser la vie de l'homme. Can debilitate the life of man. Nous avons expliqué we explained que le diable peut utiliser the devil can use la législation the laws à travers des lois. Through laws, des lois qui sont votées. Laws that are voted, des lois qui vont contre that are voted la volonté de Dieu. Going against the la Bible God. Dit très clairement the Bible says plainly, toutes les lois sont bonnes. All laws are good. Mais toutes sortes de lois. But all kind of laws. Les lois qui vont laws à l'encontre des principes bibliques. Going against biblical principles, il ne faut pas les respecter. We should not respect them. Je dis ça autrement. In other words, Dieu n'est pas d'accord God doesn't agree qu'une loi that a law aille God contre ses principes. Against his principles. Nous sommes dans un nouveau monde a new world, où les lois sont votées par X et Y. Well, laws are voted by X or si y, des lois sont votées if laws are voted, et que les lois ne vont pas dans le sens they are not going de la prière, the line of prayer, de la vie en Christ, of the life in Christ, tu ne vas pas t'arrêter sur la route. You won't stop on ou dis the je ne respecte pas. To say I won't respect. Mais à l'intérieur de toi, but in yourself, la sagesse doit t'amener wisdom should lead you à faire la part des choses. To differentiate between je prends un exemple. I take an example. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5. The Bible says in Ephesians chapter 5, l'homme est le chef de la famille. Man is the head of the family. C'est terminé. It is il n'y a pas de discussion. Over. Des lois disent law says, les chefs de la famille, the head of the family, c'est l'homme et la femme. Both man and woman. Donc désormais, henceforth, prenez le carnet ensemble. Take the book together. Ça c'est la loi. That is the law. Par sagesse. By wisdom. Et pour respecter les lois dans les pays dans lesquels nous vivons, to respect the law nous prenons of the le carnet country, ensemble. We take the book together. Mais quand le maire quitte là, when the mayor goes, la femme dit à l'homme, the wife tells il faut attraper the man, le carnet. Take the book. Vous n'attrapez pas le carnet moitié, you moitié don't comme take ça. Half, half and go. C'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. It is what we want to speak about today. Quelles sont les lois what are the laws qui fatiguent les chrétiens that are bothering Christians? Les caractères, behaviors, les difficultés, difficulties. Bien-aimés frères, beloved brothers, le diable peut passer. The devil may go. Bon, je ne vais pas reprendre l'enseignement du vendredi. I won't take back the teaching of Friday. Les CD sont toujours là. CD is there. Et puis l'enseignement est toujours en ligne. The teaching is online too. Amen. Amen. Dans certains mécanismes, some mechanism, dans la vie de tout le monde, the life of everybody, les caractères peuvent briser la vie. Behavior can break life. J'ai fini par comprendre. I end up understanding. Dans la dimension spirituelle, the spiritual dimension, dans la connaissance des choses de l'esprit, the knowledge of the thing of the spirit, j'ai fini par me rendre compte. I end up j'ai fini par expérimenter and experiencing que le diable that the devil n'utilise pas autre chose que ce que nous avons. Doesn't use something different je dis from ça dans un bon français. Have. Je dis ça autrement. Le diable the devil utilise nos propres faiblesses uses our own pour détruire nos propres vies. To destroy our own lives. Voici ce que nous avons cité tout à l'heure. Those are the things we quoted. Nous avons cité ensemble, non? Together. L'ivrognerie. Drunkenness. La jalousie. Jealousy. L'impudicité. Impudicité. L'idolâtrie. Idolatry. La magie. Magic. Les querelles. Quarrels. Les animosités, les disputes. Dispute. Dites-moi. Animosities. Dites-moi. Tell me. Je vais dire quelque chose peut-être qui va vous faire rire. I'll say something that will make à quel you moment laugh. What time le diable the devil il sonne à ta porte ring at your door clinglong clinglong ringing c'est moi le diable inside the devil je suis venu avec des querelles I've come with quarrels non no c'est moi le diable inside the devil je suis venu avec I can la jalousie non with jealousy no tout se fait dans le cœur all is done in the heart c'est pourquoi vous voyez this is why we dans nos enseignements in our teaching, nous insistons sur l'intérieur we emphasize on sur the le inner being on the heart. Si le cœur n'est pas disposé, the heart isn't disposed, si le cœur n'est pas en Dieu, the heart isn't in si God, le cœur n'est pas circoncis, the heart isn't circumcised, si le cœur n'est pas travaillé, the heart isn't le cœur va te créer des problèmes. It will create you si a lot ce cœur n'est pas préparé, the heart isn't et prepared, que ce cœur rentre en cheminement, and that heart ce cœur rentre dans le mariage, that heart gets ce cœur rentre en couple, that heart gets into couple, ce cœur va te créer des problèmes. That heart will put le mariage in trouble.
marriage. C'est pas quand, c'est pas le coup de foudre. It's not about love at first sight. C'est pourquoi Dieu a parlé à Abraham. That's why God spoke to Abraham. Dieu dit à Abraham. God told Abraham. Pour que les enfants connaissent la loi d'Israël. For the children to know the law. Pour que les enfants connaissent un peu ce que j'attends d'eux. For the children to know what Il faut que leur cœur soit circoncis. Their heart has to be circumcised. Et par alliance. And by covenant. Il faut que tout le monde soit circoncis. Everybody should be circumcised. Abraham a dit oui. Abraham said yes. Abraham pensait qu'il ne faisait pas partie de ceux dont Dieu parlait. Abraham thought he wasn't part of them. Abraham pensait qu'il ne faisait pas partie des personnes à qui Dieu s'adressait. Abraham thought he wasn't part Il dit, il n'y a pas de problème. No Jusqu'à ce que Dieu lui dise. Till God told Abraham, Abraham, à tes 80, 90, 95 ans, you have 90 years toi-même old. Tu fais partie de la parole. You are part of C'est the pourquoi word. Nous, en tant que prédicateurs, so we as preacher, nous, en tant qu'enseignants, as teacher, nous, en tant que théologiens, as theologians, tout ce que nous disons all we say nous concerne d'abord. Is about us first. Nous ne sommes pas là pour donner la morale. Ce n'est pas des conseils, des exhortations. Mais ce que nous prêchons nous concerne nous d'abord. D'abord. Oui, d'abord. Yes. Oui, d'abord. Nous ne sommes pas à un piédestal. Et puis le peuple à un petit niveau. Non. Down. No. C'est ensemble. It's together. Ensemble. Together. Que nous devons relever des défis. We have to take up challenges. C'est pourquoi on parle d'église. We're speaking of Ecclesia. Ecclesia. Être en mouvement ensemble. Mouvement ensemble. Together. C'est pourquoi à l'église, that is why the church, on ne met pas une seule chaise. We don't put one chair on ne met pas 10 bancs. Or 10 benches. On met au moins 1000 bancs. We put at least 1000. Parce qu'on sait qu'ensemble, because we know together, on doit venir honorer Dieu. We have to come and honor Mais on God. Ne met pas les bancs we don't put benches selon le nombre d'habitants. According to the number of inhabitants. Voici comment Dieu pense. This is the way God thinks. Et pour revenir à ce que je dis, to come back to what I say, si ton cœur n'est pas circoncis, if your heart isn't circumcised, ton cœur va te créer des problèmes. Your heart will put you in troubles. Dieu a dit à Abraham. God told Abraham. Il faut que toi-même tu sois circoncis. You have to be circumcised yourself. C'est quand Abraham a fini pour lui. What when Abraham Et que Dieu est revenu dire à Abraham. His own, God came to tell Maintenant. Now, les enfants de 8 ans. The children of 8. Jusqu'à tous les vieux. To the old. Maintenant faites pour eux. Do circumcise them. Dis à quelqu'un, dis à ton frère, dis à ta soeur. Tell your brother and your sister. Ne te mets pas au-dessus de la loi de Dieu. Don't be above the law of God. Il y a une erreur que nous faisons. There's a mistake we make. Chaque fois qu'on prêche, each time we on dit à nos frères, we tell our on dit à nos soeurs, we tell our c'est de toi on parle. It's of you, c'est de toi on parle. It's of you. Ça parle d'abord de moi. Speak of me first. Dis ça à toi-même. Dis ça à toi-même. Tell yourself. Dieu me parle d'abord. Dieu me parle d'abord. Speak about me first. Je me parle d'abord. Don't speak to me first. Avant de s'adresser à mon frère. Before speaking to my brother. Quels sont les caractères? What are the behaviors? Je parlais du cœur. I was speaking of the heart. Le diable va donc s'appuyer. The devil will lean. Sur mon cœur qui n'est pas disposé. Upon my heart that is not disposed. Sur mon cœur qui est méchant. On my wicked heart. Sur mon cœur qui est mauvais. On my wicked, sur mon cœur qui est rempli heart. De haine. Filled with hatred. De colère. Filled with anger. De mensonge. Filled with lies. De querelle. Filled with quarrels. D'envie. Envy. D'ivrognerie. Drunkenness. D'excès de table. Et toutes les choses semblables. All the life. Le diable a utilisé ses propres choses. The devil will use those qui sont dans ma vie. Which are into my life. Pour déstabiliser ma vie. The devil my le life. Diable n'invente rien. The devil doesn't il invent. Ne prend rien à l'extérieur. Doesn't take something mais il prend outside, tout à l'intérieur. But all inside. C'est pourquoi. That is why. Dans le cheminement avec Dieu. In our way il faut accepter God, de passer. We have to accept par to des move, exercices. To go through par des brisements. To go through par breaking, des cheminements. Through humbleness, où on apprend à se connaître. Where we know, on apprend à se parler. We on n'est pas. On n'est pas renfermé sur soi-même. Mais on est ouvert au monde. Bien mes frères. Bien mes soeurs. Brothers and sisters. Le diable et ses suppôts. The devil and his vont s'apesantir. Will strike. Sur tes légèretés. All your wicked, sur tes défauts. Your defects. Mais en insistant. Insisting. En insistant. Insisting. Sur ton caractère. On your behavior. Caractère. Your behavior. Ton comportement. Your behavior. Quelquefois vous êtes surpris. Sometimes you're surprised. On dit je ne savais pas que pouvait se fâcher comme ça. You say, I didn't believe she can get angry that Aujourd'hui way. Je vais parler pratiquement des femmes. I'll speak of women today. Dimanche prochain on va attaquer les garçons. And coming Sunday we'll speak about comme men. C'est nous on est les plus mauvais là, on fait ça dimanche dernier. As dimanche the prochain. Most wicked. Garçons sont mauvais mon fils. Men are wicked. Garçons sont mauvais. Men are wicked. C'est ça non n'est-ce pas là? Yes. Donc tu es mauvais. Toi tu es bon. Hein? Alléluia. Hallelujah. Le diable va déstabiliser ta vie. The devil will debilitate your ton life, foyer. Your household. Ton cheminement. Your culture. Ta vie ensemble. Your life with ton projet de mettre avec quelqu'un. Somebody. Mais à partir de ton cœur. From your heart. À partir de ton caractère. From your behavior. Amen. 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 Amen.
Dis amen fort pour que ton voisin qui dort se réveille. Amen loud. Maintenant toi qui somnole, dis maintenant amen. Reviens à nous. Reviens à la vie, voilà. Ton voisin s'il dort un peu, il faut lui donner un chewing-gum, pardon. If your neighbor is sleeping, give him chewing-gum. Amen. Amen. On ne mange pas foutu sauce grillée avant de venir après de 15 heures. We don't eat pounded. C'est un piège. Before coming to the prayer. Je continue mon message. I continue. Ce soir, vous serez bénis au nom de Jésus. You'll be blessed this evening, Jesus name. Le comportement, the behavior, est un puissant message, is a powerful message, que le diable utilise, the devil uses, est un puissant moyen, is a powerful means, que les sorciers vont utiliser, wizard will use, que les marabouts vont utiliser, marble will que use, les ennemis vont utiliser. The enemy will use. C'est pourquoi that is why on dit que we say, on pousse quelqu'un à l'erreur. We push somebody into the trap. Il y a une autre expression. Il faut, faut pousser la personne à sortir d'elle-même. Ah, the comment person. On dit ça? Voilà, sortir de ce gong. Voilà, c'est pour ceux qui sont allés à l'école. Voilà. To lose. Maintenant, ceux qui sont allés vers l'école, what, c'est. Il faut temper. Pousser la personne à se fâcher. Push the person to lose temper. Donc, il y a ceux qui sont allés à l'école et ceux qui sont allés vers l'école. Dis, voisin, toi, tu es allé où? À l'école ou vers l'école? As a neighbor, did you go to school? Or just pass le français de Molière. C'est là, on dit la langue de Molière, non? Pas le français de Molière, la langue. French. Tout ça, c'est la même chose. Molière. Revenons aux choses sérieuses de Molière. Let's aussi. Come back to the serious faith. Non, aux choses sérieuses de Jésus. J'étais en train de dire. I was saying. En dos, lui, on dit, j'étais 10 ans. C'est ça, non? Ou bien ça ne se dit pas? Alors, donc, laissez-moi me prendre un peu au sérieux, là. Bah, je te disant. I was saying. Que le comportement. The behavior. Le comportement. The behavior. Ou le caractère. The behavior. Laissez-moi rouler les airs. Hein. J'ai fait Paris 8e, Paris 24e, Paris 15e. Was at Paris University. Et tu m'as dit 22e. Bon, tu m'as dit, on a basé, tu m'as dit, voilà, tu m'as dit, ça fait trop grand, il faut dire Toulouse. Voilà, we Toulouse, c'est bon. Voilà, voilà. On était quelque part, une gare là, et puis on était avec des amis. Somewhere, et on a bluffé tout le monde. And where? Yeah, les gens de Toulouse, on se connaît à it's Toulouse. Like, hey, Toulouse. Each other in oh, Toulouse. Mais ça fait longtemps, Toulouse. Long time. Alors, que devient Toulouse? Ben, Toulouse est Toulouse? Là avec son temps. Ben. Toulouse les gens is fine dit, hey. With the weather. Les gens, ils ont fait France depuis longtemps, ils jouaient à eux. Alors nous revenons aux choses sérieuses. Alléluia. Hallelujah. Je disais que le comportement I was saying the behavior est un puissant vecteur. Is a powerful way. Est un élément puissant. Is a powerful element sur lequel on which vont s'appuyer will lean les marabouts, the marabout, les sorciers, the wizard, les occultistes, the occultists, pour te pousser à l'erreur. To push you to make a mistake. Comment régler ces choses? How to sort out those things? Dans le spirituel. In the spiritual. On n'agit que sur le comportement. We act on the behavior. Dans le spirituel. In the spiritual. On n'agit que sur le caractère. We only act on the character. On peut détruire la destinée de quelqu'un. We can destroy the destiny of somebody. À travers sa vie. Through his life. À travers life, ses erreurs. Through the mistakes. À travers son comportement. Through the behavior. Vous allez voir. You will see. Le caractère lui-même. The character itself. Le comportement lui-même. The behavior itself. Appelle des oppositions. Cause opposition. Celui qui est gentil. The one who is kind. Doit avoir affaire. Will face. Ou doit se défendre. Or has to defend himself. Devant des gens méchants. Before. Celui qui est méchant people, aura du mal à s'entendre to get along avec des gens qui n'ont pas son tempérament. People don't have his temper. Donc le comportement temper, lui-même the behavior itself appelle des oppositions. Calls oppositions. Et quand ce comportement well, that behavior, il n'est pas de l'Esprit de Dieu, is not of the Spirit il n'est of God, pas du Saint-Esprit, is not of the Holy Spirit, ce comportement that behavior va appeler will call tout ce qui peut détruire, or that can destroy, tout ce qui peut déstabiliser or that can debilitate ta destinée. Your destiny. Amen. Amen. Le comportement the behavior cache en lui-même hide himself, l'arsenal du diable. The arsenal of c'est pourquoi the devil, that is ne vous y trompez pas. Don't make any mistake.
On ne vient pas au mariage. We don't go to marriage. Pour espérer être heureux. To hope to be happy. On ne vient pas au mariage. We don't go to marriage. Pour venir vivre la passion. To live the passion. Mais on vient dans le mariage. But we come into marriage. On se met ensemble. We get together. On se met avec l'autre. We join pour with crucifier the other, sa vie. To crucify our et pour rendre l'autre épanoui. And to make the other one blossom. Et si les deux conjoints if the two spouses, ont la même opinion, have the same opinion, ont la même façon de faire, the same way of doing, je peux supporter mon conjoint. I can put up with mon my conjoint spouse, peut me supporter. My spouse, donc on ne parle pas me. De division. We're not speaking of division. On ne parle pas de tentative de divorce. We're not speaking of on ne parle même divorce. Pas de velléité de divorce. Not of attempt to parce divorce. Que je viens pour t'aider. Because I come et to tu viens you. Pour m'aider. And you have come to je help te prends tel que tu es. I take you as you avec are. Ton comportement. With your behavior. On ne s'est pas marié. We didn't get pour que tu changes. For you to change. L'objectif du mariage, the aim of marriage. Ce n'est pas de changer la vie de l'autre. L'objectif du mariage, c'est que de par notre union, de par notre présence, de par notre collaboration, le conjoint se rend compte de ses erreurs et qu'il commence à améliorer ses erreurs. Et si la personne se rend compte qu'elle a des erreurs, des imperfections, alors l'autre conjoint peut l'accompagner. C'est cela l'encouragement. C'est cela le ministère de l'encouragement. Le ministère de soutenir l'homme. Mais on ne vient pas dans le mariage pour dire à l'autre, t'as pas coupé tes ongles. Pourquoi tu es gaou comme ça? Why are you so hard fashion? Je n'ai tout maudit, vous l'avez pas? The people of Tumodi, you don't bath. Tu n'es pas venu dans le mariage pour faire le bain de ton mari. You have not come to marriage to ask your husband to bath. Tu n'es pas venu dans le mariage pour rappeler à ton conjoint. Or to recall your husband. Que toi t'es né hungry. That you were born in Hungary. Voici pourquoi. This is why. Beaucoup de femmes passent à côté du mariage. Men and women can get married. Elles cherchent quelqu'un qui vit à la Riviera Gulf. They're looking for somebody in Riviera Gulf. Ton bonheur peut être à Tumodi. Your happiness can be in Tumodi. Peut-être à Vavoua. Maybe in Vavoua. Peut-être en Zeklenzesu. Maybe in Zeklenzesu. Le caractère veut tuer l'appel. Behavior can kill the calling. Tu vas voir une fille. You will see a girl. Une femme. A woman. Elle cherche. She's looking. Quelqu'un qui a telle taille. Somebody with certain height. Qui est baraqué comme barracuda. Who is bald in shape. Qui marche comme gorille. Walking like a gorilla. Qui porte les chaînes. Wearing necklace. Qui a poids dans sa poitrine. Who has hair on his et chest. Et qui met sa poitrine dehors. And exposing his chest. Celui qui a la taille comme la mienne. The one who has a short. Il est tout petit. Little one. Bonjour mademoiselle. You say. Toi hi, ta taille là. Si tu lady, quittes pas devant moi. She said with your short. Leave me alone. Dis à ta voisine, tu as raté plusieurs mariages comme ça dans ta vie. Tell your neighbor you miss many marriages like that in your life. C'est pas la taille qui fait le mariage. It's not the height that makes marriage. Toi, ta taille, mes enfants seront big. You say you're short, my children will be short. Dis voisin. So neighbor. Voisine. Neighbor. Change ton caractère. Change your behavior. Il y a des gens qui cherchent blanc. There are people looking for don't white people. Métis. How they are looking for me? Don't search Argentine. How they are for people from don't search Moroccan. Argentina or from Morocco. L'homme de ta vie est devant toi. The man of your life is before you. Dis-moi, non. He said no. Moi, mais je suis noir. Prends noir, mais non. I want marry a black person. Déjà que ma maman n'aime pas les gens noirs. Tu ne te maries pas pour ta mère et ton père. You don't get married for your mom and dad. Quelquefois tu viens présenter ton conjoint. Sometimes you come with your spouse. Les parents sont assis, ils ont croisé les pieds. Your parents are sitting, folding the legs, and just il y a le teint du gars. Looking at the guy. Le teint de la gueule. The complexion. Vous avez un côté sénégalais, c'est ça? They ask the guy, are you Senegalese? Vous êtes apollonien, c'est ça? Are you Apollon? J'ai rien d'un Apollonien. I have nothing from Apollonian. Je suis Athier. I'm Athier. Ah bon? Dans votre côté paternel, il n'y a pas un peu clair là-bas? On your mother's side, aren't there? Pour espérer que l'enfant soit fair complexion people, so that their child voisin, may be fair. Tes calculs vont t'éjecter. So neighbor, your calculation will disqualify you. Tes calculs vont t'éjecter. Will throw you somewhere else. Le prochain qui vient, the next coming, quelle que soit sa taille, whatever his height, faut ouvrir au moins ton cœur. Open your heart.
Amen. Amen. Je continue mon message. I continue my message. Ne vous y trompez pas. Don't make any mistake. Évitez de penser comme tout le monde autour de vous. Avoid to think as hard around you. Ne vous y trompez pas. Don't make any mistake. Aucune relation n'est parfaite. No relationship Aucun is perfect. Mariage n'est parfait. No marriage is perfect. En dehors des films tournés à Hollywood. Out of movies in Hollywood. Vous êtes tellement habitué aux films de 19h. You saw you to 7 p.m. Vous êtes movies. Dans des rêves. You into dreams. Vous êtes dans des fantasmes. You into dreams, fantasy. Vous êtes dans votre bulle. You're in your bubble. Les films brésiliens n'ont rien à voir avec le mariage. Brazilian movies are known to do le with mariage est pimenté. Marriage is peppered. Le mariage n'est pas sucré. It's not sugared. Le mariage est sucré. Marriage is sugared. Quand c'est un pointage. When somebody is worrying. Quand l'homme est en pointage, c'est sucré. When the man is worrying, it is sugar. Interesting. On te vous voit. They speak well. On te parle poliment. Politely. Comme le fruit n'est pas encore cueilli. As the fruit hasn't on ouvre la portière. Taken yet. They can open the door. Je voudrais. I would like. Il y a des formules de politesse. Politely. Le subjonctif est présent. Word, le plus que parfait est là. Polite word. Tenses. La ponctualité. Punctuality. La précision. Precision. Will be there. Mm. Ça c'est avant le film. That is before the movie. Maintenant quand le cheval. Now when the horse. Est allé en guerre. Went to war. Que le guerrier est revenu. And the warrior came back. Le vrai comportement sort. The true behavior comes. Chérie, out. Tu m'attends? Honey, si tu me mets, je te poter. I'll beat you. Chérie a disparu. Honey, on t'appelle par ton nom avec lequel on t'appelle au village. They call you by your name, which is used in your village. On commence à voir tous tes défauts. They see all your defects. Qui a laissé le sac traîner ici? Who left the bag here? C'est pour qui prend sa dent qui traîne là? For who is that toothbrush here? Quels sont les comportements? What are the behavior? On va attacher les femmes aujourd'hui. We'll speak about women today. Dimanche prochain, on va gérer les hommes. And on coming Sunday, we'll speak about men. Donc les hommes, soyez attentifs. Men, listen. C'est le jour de nos jours aujourd'hui. It's our day today. Dimanche prochain, femme va prêcher. On coming Sunday, women will preach. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas. Don't make any mistake. Aucun mariage n'est sucré. No marriage en sugar. Dehors du premier jour. Out of the first day. Où on enlève le voile devant tout le monde. When we remove the veil. Où on coupe les cartons devant tout le monde. We call the cake. Où on soupe devant tout le monde. We dance. Où on soulève la femme pour entrer en chambre. We take the là, tu wife sens pas qu'elle est lourde. The bedroom. You don't feel she's heavy. Une semaine après. One week later. Chérie, tu peux me porter à ma chambre, s'il te plaît? Honey, can you carry me to the bedroom? Tu n'as pas sommeil. Tu n'as pas sommeil. You are not sleeping. You will reply. Tu n'as pas sommeil. You are not sleeping. Dis à l'homme qui est à côté de toi, c'est pas de toi on parle. Tell the man next to you, it's not of you who is speaking. Quels sont les caractères? What are the behavior? Qui divise le couple? Dividing the couple. Qui tue le foyer? Killing household. Qui tue la destinée? Killing destiny. Quels sont les comportements? What are the behavior? Qu'il faut éviter. That we have to avoid. En tant que chrétien. As a Christian. Comment revenir à Dieu? How to come back to God. À travers notre union. Through our union. À travers notre façon de nous mettre ensemble. Through our way to join. Amen. Amen. Le seul ménage. The holy household. Et le seul mariage. The holy marriage. Qui est sucré, qui est intéressant. Which is sugar and interesting. C'est le mariage avec Jésus-Christ de Nazareth. It's a marriage with Jesus Christ of Nazareth. C'est le mariage que nous avons eu au baptême, à la confirmation. The marriage of baptism, au sacrement de l'ordre. Confirmation. Où tu es content comme ça. You are so happy. Toi seul, tu es content comme ça. You're so happy. Tu dois commencer à prier pour ton conjoint. You have to start praying for your spouse. Au lieu de chercher un meilleur conjoint. Instead of looking for a better spouse. Toi au moins tu m'embrasses bien. Yo, at least you kiss me well. Quoi, tu ne m'embrasses même pas. Quoi, il tombe sur mon cou.
Dis à quoi Dieu ne tombe pas sur moi. Apprends à quoi Dieu de t'embrasser comme tu veux qu'il t'embrasse. Teach quoi Dieu to kiss you as you want. Quoi Dieu ira à ton rythme. Quoi Dieu will follow your rhythm. Toi au moins tu t'habilles bien. You dress well, please. Look at this guy. Il a des marches même. Look at the way he walks. Quels sont les caractères? What are the characters? On envoie quelqu'un venir régler un problème en famille. We send somebody to et puis devant celui qui règle. Before the person to come. Tu dis à monsieur who came, ou à la dame you tell the man de parler à ton the conjoint. Woman to speak to your spouse. Je t'ai appelé là. I called you. C'est parce que c'est toi qui peux lui it's parler. Because you can speak to her. De toute façon, tu fais avec ta femme et puis the je vois, je suis content. You do with your wife. Il faut parler comme ça à ton ami. Speak this way to your friend. Non, no, ça se fait pas. You shouldn't do that. J'ai un couple. There's a couple. Ils font pas la matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. All the time. Il dit notre couple, c'est quel jour on va arrêter par là. He said, well, now we're going to stop quarreling. La femme se fâche. The woman gets angry. Je vais voir mon témoin. I'm going to see my witness. Le mari dit non, attends. The husband said no way. On va régler ça en famille. We sort it out in elle dit trop, c'est trop. She said enough, trop, enough. C'est trop. Enough is enough. Il faut que mon témoin soit informé. My witness should be informed. Tu es mauvais. You wicked. Tu es méchant. You're nasty. Ouais, quand les femmes veulent insulter là. When women il y a un vocabulaire d'un jus qui sort. Comes out of the mouth. Et bien si je just insult. Dieu te permettra de rencontrer un homme qui va gogner bouche là. God will allow you to meet a man that will beat your mouth. C'est pourquoi qu'un homme te dit faut te taire. One man tells you shut up. Shut up. Je continue mon message. Let me continue. Dis voisin, tu seras servi au nom de Jésus. So neighbor, you will be served in Jesus' name. Il gogne bouche et puis après il va caresser ça pour toi. Beat the mouth. Doucement, doucement, hein, doucement, hein, prochainement. Faut pas me parler comme ça, tu as compris? Say. You shouldn't speak like quand that. La plaie finit net, tu peux t'embrasser encore. Tu parles, il allume encore. If you do again, dis à la femme qui a côté, ça va t'arriver. Tell the woman Dieu a plusieurs façons de soigner l'homme. To you. Il ne faut pas faire ça. Don't il faut pas faire that. Ça. Amen. Voici la femme se lève. The woman écoute, elle va sur son témoin. Elle s'en va. Witness. Aujourd'hui, je vais le signaler. Je vais le signaler. Je vais le signaler. Elle va, elle ouvre la porte. Clignant, clignant, on n'ouvre pas. Elle insiste, elle insiste. She insists. La servante vient ouvrir. Elle dit, tanti, merci. Bonne arrivée. Va voir, va voir. Tanti est assise sur papa. Elle va le tuer, pardon. Elle va le tuer, elle va le tuer. Elle va le tuer. Elle allait voir son témoin. Qui a pris le couteau qui était assis sur son mari. Pas tu vas voir. Pas tu vas voir. Je te tue aujourd'hui. I will kill you today. Elle est sortie pour moi, mieux. Elle allait voir son mari. Elle dit, chérie, faisons la paix, faisons la paix, faisons la paix. Elle a commencé à chanter, Soumaminou, Anima, Soumaminou, Soumaminou. Elle dit, faisons la paix, faisons la paix. She said, let us make peace. On a idéalisé les gens. We thought people pour nous were mieux. Than us, but we on ne peut s'insulter. We can insult là-bas, là, c'est couteau. They are the fight with knives. Méditation. The planet. Comment on dit ça? Les juristes là. Lawyers. Attaque à main à main. Attack with ambush. Guns with knives. Les garçons. Man. C'est pour votre bien. It's for your good. Dans la maison. In the house. C'est vous qui devez toujours garder loin les couteaux. You have to keep your knives away. Laissez dehors les petits couteaux juste pour la cuisine, les petites choses là. Just some little knives for the kitchen. C'est pour votre bien. It's for your good. Il y a un garçon qui rentrait tard. A man came home late. Ma fille, donne ton témoignage, je vais donner. Hein? I'll give your testimony, my dis pas ton nom. I won't say your name. Elle voulait effrayer son mari. She wanted to frighten her husband. Le monsieur est rentré. The man entered. Il était saoulé. He was drunk. Elle a mis le plus gros couteau de la maison sous son coussin. She put il met the la tête sur biggest knife under il his cushion. He slept en pleine nuit. In the night. Il y a une façon de mettre la main dans le coussin pour prendre. There's a way to take the pillow. Quand il a touché le couteau. When he touched the knife. 3 heures du matin. At 3 a.m. Il a ouvert la porte. He opened the crié door. Dans la cité. Wow! In the area. On dit, il y a quoi? They say, what happened? Il y a la mort dans la maison. Said, there's death in the house. Il dit, on t'a raté. It's good for you. Il allait chez le voisin. He went to the neighbor. Sa femme allait le chercher.
his wife went to look for him then. Quand elles sont en position de force, elles parlent doucement. When they are advantage, they speak slowly. They asked him to come home. On dit non, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, calmez-vous. She asked him. Calmez-vous, chérie. Entrons à la maison. Let's go home. Il dit je rentre pas. She said I won't si go. Si on avait couteau sur he mon said, sur I won't go. There was a knife mon coussin. Behind my pillow. Autre chose est caché où? Under my pillow. Elle a so placé tout partout. Elle dit rentre à la maison. She told him. Elle est en position home. De force. She had the advantage. Ce que tu connais pas, je vais te monter aujourd'hui. She told him what il n'a jamais vu sa femme comme ça. He has never seen une his semaine. Wife like that. La délégation se succède. Pour demander pardon. To ask for forgiveness. Elle dit il faut rentrer. She just asked him to come home. Quand chaque délégation vient. Every delegation come. La seule chose que les gens demandent. The only thing they ask. On dit tu as déposé autre chose où? They ask, did you put things? Elle dit, j'ai accepté le pardon. Maintenant, allez-y. She said, I accepted forgiveness. C'est no. Les allez-y, les gens disent, ah non, 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 ma fille, vous ne pouvez pas faire comme ça. The same my daughter don't do like that. Alors, revenons à notre enseignement. Let's come back to our teaching. Comment ton conjoint how your spouse doit améliorer vos relations? Should improve your relationship. La vie est facile. Life is easy. C'est nous qui la compliquons. It's where we complicate life. Est-ce que quelqu'un est content d'être là cet après-midi? Is somebody happy to be here this afternoon? Comment? How? Régler les problèmes dans le couple. To sort out problems in the couple. Les comportements. Behaviors. Les choses arrivent. Things happen. Premier point. First. Parce que les rôles sont mal compris. Because roles are badly et les rôles sont mal interprétés. Badly interpreted. Les rôles sont mal compris. Roles are badly understood. Et les rôles sont mal interprétés. Roles are badly interpreted. Les rôles sont mal compris. Roles are badly understood. Et les rôles sont mal interprétés. Roles are badly interpreted. J'explique ma pensée. I'll explain. La Bible dit the Bible says, l'homme est le chef de la famille. Man is the head of the family. Maintenant, la femme est allée à l'école. Now the wife l'homme went aussi to school. The man too went les to school. Deux ont fait université d'Harvard ou bien d'Harvard. They went to Harvard. Université des Harvard. Des Harvard, c'est Awa, Ava. C'est qui est sûr? Les deux ont fait université. They went en to haut. University. Great universities. Elle a fait droit en plus. She studied law. Elle a fait une spécialisation en droit. She specialized in law. Elle connaît ses droits. She knows her rights. Elle arrive à la maison. She went home. En tant que juriste. As a lawyer. Le gars joue le chef de famille. The man is playing elle dit, head faut of parle. The family. Il faut qu'on parle. We have to il faut qu'on parle. Primo. First. Mm. Secondo. Second. Mm. Il dit attends. He said, wait. Ici, c'est moi le chef de la famille. Here, I'm the head of the family. Elle dit, chef, mon œil. She said, what help? Quand le maire nous a donné le canet, c'est qui a pris? When the mayor gave us the book, who held it? Les problèmes arrivent. Problems arise. Parce que les rôles sont mal interprétés. Because roles are badly interpreted. Les rôles sont mal compris. Roles are badly understood. Un jeune. A young man. Un enfant. A child. Un garçon. A boy. Y a soi. A man. Yasua. A man. Yasua. A man. Depuis les petits. Since he's a child. Quand il pleure. When he cries. Il dit, t'entends, faut pas pleurer, tu es un garçon. Say, calm down. Il dit, je pleure pas, je pleure pas, je pleure pas, je suis un garçon. I won't cry. Depuis les petits. Since he's a il est garçon. He's a man. Il est rentré dans le foyer avec toi. Toi, tu es une grande femme. You want to make tu apprendras. A woman. You will see. Chérie. Honey. T'as pas lavé les assiettes. You didn't wash the plates. Il dit, pardon. He say, what? Si tu n'as pas les assiettes, je vais préparer comment? The plate, how will I cook? Ça pouvait se dire autrement. You could have said it another way. Chérie, honey, comme pour le moment tu ne travailles pas, as you don't work now, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Can you help me? On n'a pas assez d'argent. We don't have much money. On ne peut pas prendre de servante. We can't hire homemade. Pendant que je suis au travail, as I'm at work, avec les embouteillages, je vais rentrer tard. With the traffic jam, I'll get pardon, here. Aide mon chéri. Late, help me, honey. Deux, trois assiettes. Wash three plates. Il va faire. He will do it. Il n'est pas mauvais. He's not wicked. Il n'est pas démon. He's not a demon. Il va faire. He will do it. Mais il ne fait pas. But he doesn't do parce it. Que tu es perché sur tes petits talons. Because you are on your heels.
tes petits talons, your little heels, que tu as commencé à voir depuis qu'on a signé ton salaire à la fonction publique, that you got since you had your first salary. Co, les assiettes sont mal lavées. And you walk, you say, il te regarde, tu fais ton manège, il te regarde. Il dit, prépare et manger. You said, cook, I will. C'est là que tu te souviens and then you que tu as fait droit. You started law. Droit civil. Civil law. Droit quoi encore? Droit pénal. Criminal law. Droit quoi encore? Droit constitutionnel. Constitutional law. Droit des procédures. Droit des affaires. Business law. Tout ton droit est dans ta tête. All you know about lui, son droit depuis les pétanes où tu es garçon. Ne pleure pas, tu es garçon. He knows he's a tu es man garçon. From birth. Tu es garçon. A ti à soi, tu es garçon. Tell tu es garçon. Man. Garçon, pleure pas. Garçon, pleure pas. Garçon, pleure pas. Man doesn't cry. C'est ce militaire garçon-là. That military, that man. Les problèmes arrivent. Problem arise. Parce qu'on communique mal. Because we don't communicate well. Qui a compris la première ce que je viens de dire? What God, quelqu'un what m'entend? I just said. Somebody hear quelqu'un me? M'entend? Somebody hear me? Dis à la femme qui est à côté de toi. Tell the woman next to you. Vous deux n'êtes pas chef. Both of you are le seul chef, c'est le garçon. The only chief is the man. Maintenant, dans d'autres circonstances, in harder situations, vous deux êtes chef. Both of you can be chief. Mais en Dieu, but in God, c'est lui seul qui est le chef. Is the only chief. Dis à la femme, pardon, enregistre ça bien. Tell the woman. Enregistre. Record it well. Ça va t'aider. It will help à être soumise. To be submitted. Quelqu'un m'entend? Somebody hear me. Quelqu'un m'entend? Somebody hear me. Les femmes, là, écoutez-moi, vous ne parlez plus. Women, listen to me. Évitez d'avoir le comportement de garçon. Avoid to be like même si man. Tu ressembles à garçon, tu n'es pas garçon. Even if you resemble man, you're not man. Quelquefois, on s'en rend pas compte. Sometimes we don't notice. La gestuelle compte. Gesture matters. Chérie, ça va? Honey, how are you? Tu peux m'ouvrir le portail, s'il te plaît? Can you open the gate for me? Pardon, nous sommes deux. Pardon, hey, je suis en retard. I'm late. Chérie, pardon. Honey, hey, pardon. Please. Il va se lever, va ouvrir. You will go and open. Portail. Well, you. Huh? You slap on the table. Open. Like an order. Dis à la femme qui est à côté de toi. Tu comptes sur quoi? Tell the woman next to you. What do you think? Portail. Open. Et quand tu viens du travail, when you come from le monsieur work, qui est resté à la maison, the man who stayed at qui home, est frustré dans son amour propre, who is frustrated, qui est blessé parce qu'il n'a pas de travail, who is frustrated déjà because que tu es payé à 3 work, millions, you have 3 million lui il est payé à 200 000. He has 200,000. C'est à son portail que tu as venu sonner. And you ring. Et puis dans la cité, le truc comme ça. You ring and tout le voisin te regarde. C'est pas possible. In your tout le monde sait que c'est lui qui a venu ouvrir. That. Et c'est devant tout le monde qui se ménage. C'est pas possible. Will come to open. You ring again. Et puis on sent que le portail s'ouvre. And et puis on sent que tu parles à quelqu'un. Open. And you're speaking on to somebody. Sent que c'est lui qui parle. They know you're speaking to him. Le portail va se refermer. The gate will shut. Je continue mon message. I continue. Dis voisin, fais attention. So neighbor, be careful. Si le portail se referme, tu es en danger. If they get shot, you'll be in danger. C'est là que tu vas dire. And you will say. Je l'ai lavé. I washed. J'ai fait de lui ce qu'il est. I did. C'est moi qui ai toutes les charges de la maison. Pourquoi il se comporte comme ça? Care of the expenses of the il n'a même pas, il n'a même pas de reconnaissance. Why is he behaving like that? He's not acknowledging. Tu es peut-être gentil. You may be kind. Mais tu n'as pas la bonne procédure. But you don't. Use the tu right n'as pas process. Le bon ton. You don't speak tu n'as the right pas le way. Bon thème de voix. You don't speak the right way. Amen. Amen. Je continue rapidement, mais on ne dit pas aujourd'hui. Amen. Amen. Dis voisine, touche la femme qui est à côté de toi. Neighbor, tag the woman ne next to you. Ne prends pas ton mari pour ton petit frère. Don't take your husband as your junior brother. Papou, le pain. Call him. Papou, the bread. Papou. You say papou. La voiture de poubelle, le camion poubelle, fais sortir la poubelle. The garbage, Lord Cam. Tes deux pieds sont sur le fauteuil, tu es en train de regarder un film de 19h. You're watching movie. La voiture de poubelle est là, poubelle. The garbage, Lord Cam. Lui, il sourit, il dit, c'est dans quoi je me suis mis même comme ça. He's laughing, he say, what is that? Il essaie de contenir. He's trying il essaie to de contenir.
refrain from et puis quand reacting, vous allez à des cérémonies, when you go to ceremony, anniversaire, baptême, réunion de famille, birthday, baptism, c'est là que tu vas montrer à tout le monde que tu commandes ton mari. You want to show people you can have order on your réunion, husband. On t'a pas donné la parole. At the meeting, c'est toi qui as montré que tu allais à l'école. You want to show, you want to school. Il n'y a pas de squelette, comment on dit ça, il n'y a pas de... L'ordre du jour, s'il vous plaît. L'ordre du jour. There's no agenda for on ne va pas parler comme ça. On ne va pas parler comme ça. We can't speak as we want. T'as mis moi là. Le temps, c'est l'argent. Allons rapidement. Let's go quick. On ne va pas passer toute la journée comme ça avec une réunion. We won't spend all réunion, time for pas meeting. Donné la parole. He didn't ask you to speak. Et c'est devant tous ses frères et sœurs. Before his brothers and sisters, you will tell him. Lève-toi, on part. Let us go. On quoi? What? On part. Let us go. On part. Let us go. Il ne peut pas se lever. He can't stand. Tout le monde le regarde comme ça. And everybody looking at him. Et pour montrer aux gens and to show people qu'il n'est pas sous ta domination, he's not under your domination, son vilain caractère va se réveiller his devant ses frères. Character will arise before his brothers. Il va aller tout doucement. He will go slowly. Tu peux y aller, je te rejoins. You can go, I will. Toi, tu fais, tu n'as pas compris le message. You didn't get the message. J'ai dit, on part. I say, let us go. Tu viens ou pas? Are you coming or not? Il est en deux feux. He's between two fire. Sa dignité. His dignity. Depuis les petits, on dit tu es garçon. Since he's a child, ne pleure pas. He's a tu es garçon. He's been taught not to cry. Il réagit comment? How will he react? J'ai dit il faut partir. I say go. Il faut aller. Go. Je suis ton camarade. Am I your friend? De venir t'accompagner. Should I see le you ton a changé. Mais je te reconnais pas. Je te est-ce que tu me connais même? If it says I will et beat puis, you, il y a des excès un peu partout. You exaggerate. Un des parents va se lever pour dire que and one of the tu prends mon petit frère pour qui même? We say, what do you le temps tu as te rendre au Tawalo. The time you notice what is et puis happening. C'est devant lui. Slap you. Mais il ne peut him plus réagir. He can parce que tu l'as déjà mis mal à l'aise. Because he's uneasy with that situation. Et la suite, on la connaît. And we know what we'll je suis allé dans sa famille. I went to his on m'a bastonné. They beat me. On m'a humilié. They humiliated on m'a me frappé devant lui. They beaten me before him. Monsieur le juge, le voici. Demandez-lui. Demandez-lui. Mr. Demandez-lui. Je me tais. Demandez-lui. Demandez-lui. Ask him, just ask him. Et on pose une seule question. And they ask one question. On l'a frappé devant vous, oui ou non? I should be beaten before non, c'est-à-dire yes que non, no. Répondez à la question. The judge est-ce qu'on l'a giflé devant vous, oui ou non? Just en fait, je veux répondre simplement à la question. Just on l'a giflé, him oui ou non? Just oui, answer. On l'a wallo. Yes, she was slapped. Écoutez-moi bien. Listen well. Est-ce que vous comprenez mon message? Do you get my message? Ce qu'elle a dit n'est pas, elle est, c'est vrai. On l'a giflé ou pas? She said is right. Mais ce n'est she's pas la circonstance, slapped l'atmosphère. But that was not the atmosphere. Donc, du point de vue de la loi. So, si elle veut tenter un procès, if she want to mais elle aura man, raison. She'll be right. Mais être devant Dieu, but before God, elle n'a pas raison. She's not right. Mais elle a détruit son ministère. She destroyed the ministry. Elle a détruit sa vie. She destroyed the life. Elle a détruit son mariage. She destroyed the marriage. Elle a détruit son cheminement. She destroyed the culture. À cause de son caractère. Because of her behavior. À cause de son cœur. Because of her heart. Donc tu peux aller loin à l'école. You may go far tu in peux school être fortuné. You may have tu money peux avoir tout l'argent du monde. You may have the whole mais n'oublie the pas but don't forget que dans le plan de Dieu, the plan of God, l'homme man, elle est chef de la famille. The head of family. Les femmes, la dites amen, s'il vous plaît. Women, say amen. Les femmes sont soumises. A woman should be submitted. Est-ce que tu commences à comprendre pourquoi depuis les gens ne sont pas avec toi? Do you get why people aren't with you? Je continue mon message. Ou bien j'arrête aujourd'hui. Or should I stop? Aujourd'hui dans le ciel. Deuxième problème. Second problem. Il faut savoir parler à ton conjoint. Know how to speak to your spouse. Même quand il n'a pas le travail. Even he doesn't have a job. Chérie. Honey. Chérie. Honey. Je te fais ta tasse de thé s'il te plaît. I prepare a cup of tea for you, please. Chérie. Honey. Comment tu vas manger aujourd'hui? What will you eat today? Je suis tellement embêté. I don't know. Chérie. Honey. Tu fais quoi toute la journée? What will you be doing c'est juste un coco all the day just to greet chérie you? Honey. Le monsieur assis à la maison. The man is sitting at home. Il a gommé. He feels a pain. Tout le matin, il ouvre le portail. Every morning, he opens the doors. Il y a une cercle d'entrée.
there's only one. Il doit être là quand tu reviens. He has to be there when you come back. Et puis tu viens, tu lui parles pas doucement. And you come back, you don't speak slowly, with regret. Dis à la femme qui est à côté de toi. Tell the woman next to you. Respecte ton conjoint même s'il n'a rien. A regret for your spouse, même even if he doesn't have anything. Même s'il n'a rien. Even if he doesn't have anything. Je sais de quoi je parle. Oh. I know what I'm speaking about. C'est comme ça que j'ai mangé chez les gens. I hate at people's place. Si si. C'est frustrant. It is frustrating. J'ai dit aussi serviteur de Dieu. I say I'm a servant of God. À 22h23, j'arrive chez les gens. By 10 p.m. I go to people's house. Le papa de maman Emma, de mon épouse. The dad of my wife. Et donnez à manger au petit. Give some food, he say. Première semaine, ça passe. To the boy. 1 week is okay. Deuxième semaine, ça commence à être lent. Second week, it is getting slower. Troisième semaine, le service est inexistant. On the third week, there's no service. Quatrième semaine, tu es de trop. On the fourth week, they don't want to see you. Quand tu arrives, le quartier sait que tu es là. When you come, the area knows you're there. Puisque quand tu arrives, on dit, allez lui donner à manger. When you come, they say, et si les gens sont couchés? Some food. If hey, you're sleeping, hey, they'll call. Le tonton est venu, qui va donner à manger? Moi, je suis fatigué. The man came, somebody to bring him food. I'm la tired. Faim te quitte. You're no longer hungry. Avant d'entrer chez les gens, tu te déchausses. Before entering people's house, you remove your et shoes. Et puis les gens rentrent après toi. And people enter after you. Qui a mis je suis pourri dehors comme ça là? We'll put those. C'est pour qui je suis là? C'est pour qui je suis là? Tu peux pas parler outside. Vite. Ton sourire, tu vois le sourire, j'ai dit. Your smile changes. Dis à ton frère, ce passage est obligatoire. Tell your brother that passage is compulsory. Si tu n'as pas dormi chez quelqu'un, if you didn't sleep at quelqu'un ne peut house, pas dormir chez toi. Somebody can't sleep at your si house. Tu n'as pas dormi dans le salon de quelqu'un, if you have not slept quelqu'un ne peut at pas somebody, dormir dans ton salon. In somebody living room, you can't sleep. Amen. Amen. Même si tu es DG, even you are tu es bien DG, manager, a CEO, à la maison, in your house, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Man is the chief of the family. Faut blé. You have to calm down. No, you're blé. Faut blé. You have to. To blé. Blé. Yeah, blé. You have to blé. Blé. Dis voisin, faut blé. Neighbor, you have to blé, calm blé, down. Blé. Va doucement. Go slowly. Va calmement. Calm down. Et il faut te poser un peu. Ton mari. Your husband. Ton conjoint. Your spouse. C'est pas ton petit frère. He's not your junior brother. C'est le chef. He's the head de la famille. Of the family. Donc il y a une façon de parler. So there's a way to speak. Au chef to the head de la famille. Of the family. Lisons rapidement Ephésiens chapitre 5 le verset 21. Let's read Ephesians chapter 5 verse 21. Si tu as une épouse. If you have a wife. Si tu as une cheminante. Or somebody qui in conversation with you. Speaking loud. Après cet enseignement. After that teaching. Il faut la quitter. Leave her. Les femmes ne disent pas amen. Women aren't saying amen. Si tu changes pas après cet enseignement, if you don't change after that teaching, elle part dans le quartier. Tout le monde sait que c'est in the area. Everybody knows. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? What is happening in that house? Pourquoi on a coupé le courant? Why did the cat? Mais c'est quelle manière ça? What's that? Je fais déjà tout. Je prends les enfants. Everything. Je paye ton carburant. Même ton caisson, je paye. Mais au moins la facture, tu peux gérer. Il faut te rapprocher d'elle. When she shouting, get closer to her. And then, il faut gâter. You have to slap her. Aide-la à aller chez le dentiste. Help her to go to the dentist. Et fracasse ça bien. And do it well. De sorte que le dentiste ait du mal à enlever les dents qui sont rentrées dans la lèvre. Il faut, so faut qu'il sente qu'elle est endommagée. To remove the teeth. Quand elle sort de là, when she gets out of elle ne parle pas de loin. She will speak from far. Mais tu fais ça une fois. You do it once. Et puis après, tu te mets à genoux, tu demandes pardon. After you kneel down, ask for forgiveness.
quand ça arrive chez moi, when it happens, non, mon fils, on ne fait pas ça. My son, non, on fait pas don't ça. Do that. Après, il te fait ses briques. Tu n'as même pas, tu l'as raté. Faut pas faire ça. Don't do that. Faut pas faire ça. Don't do that. Faut pas faire ça. Don't do that. Allons lisons la Bible. Let's read. Tout ce mois d'août là. All this month on va, of August. On va clarifier les choses. We'll make things clear. C'est pourquoi vous voyez dans le ministère. This is why in the ministry. Chaque semaine il y a des mariages. There are marriages parce que les gens week, comprennent. Because people understand. C'est un nombre de choses. Allons rapidement. Things. Ephésiens chapitre 5, le verset 21. Ephésiens 5, jusqu'au verset 21. 23. Allez-y. 1, 2, 3. Let's read. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Que les femmes, allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Femmes. 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 Non, 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 lisez bien, ne faites pas comme si vous n'avez pas women, de voix. Lisez read bien. Well. Non 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 no, non ça no. Ça passe pas aujourd'hui, ça peut pas passer. No, can on va lire ensemble. We 1 2 3 lève tous les femmes lisez. Three, women read. Il y a des gens qui parlent à l'homme de Dieu. There are people who speak to the man of God. Elle peut faire ça, papa. They can kneel down. Hey, papa. Dad. Papa bonjour. Good morning dad. Hey, papa bonjour. Good morning papa, dad. Bonjour. Good morning dad. Dad. Tu es venu saluer l'homme de Dieu à ton mari. You came to greet the man of God with a husband. Il a vu comment tu as salué l'homme de Dieu. He saw how he greeted the man of God. Maintenant, arrive à la maison. Now at home. C'est pas toi qui parle. It's not of you I'm speaking. Il dit je comprends pas bien. He said, I don't get tu comprends pas quoi? Well. Tu comprends pas quoi? She tu said, comprends pas? Tu comprends pas? Tu comprends? What can you under? Il faut enlever ses ailes de perdri. Remove her. Il faut casser her. Ses ailes. Break her wings. Ah! Si ton mari voit ça, if your husband sees mais il that, peut pas être encouragé à aller prier. He can't be encouraged to go to the prayer with you. L'homme qui se couche pas sur toi là, regarde comment tu le salues. The man who doesn't sleep with mais you. Moi je sauve tous les jours à 3 heures du matin. Regarde comment tu me déshonores. Me, the way I'm with you, the way you're not honoring me. Moi bon, je dis ça autrement. In other words, est-ce qu'il y a des femmes ici ce soir? How the women here? Les femmes ne parlent pas bien ce soir. Je ne comprends pas quoi. Women les baffes là, ça passe pas, ça passe pas. Ça passe pas bien, c'est ça? Les baffes, on n'entend pas bien. Don't you hear well? On n'entend pas bien. On n'entend pas. Ah, elles disent qu'elles n'entendent pas bien. They said they don't get well. Et ça dosé, ça dosé, 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 dosé. Increase the volume. Amen. Amen. Femmes, soyez soumises. Women, be allez-y, submitted. Continuez. Soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. To your husband, ta façon de saluer ton mari. Lord, the way you greet your ta husband, façon de régler les problèmes de ton mari. The way you sort out problem on your doit husband. Savoir que tu as une totale obéissance. We have to know your obedience, une totale soumission. You're completely submitted, et un respect sans faille. And a strong record. Soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. De la même manière que tu es soumise à l'église. Sois aussi soumise comme ça à la maison. It should be the same at home. À la maison. At home. Tu ne respectes pas ton mari. You don't respect your husband. Et tu invites l'homme de Dieu à aller manger chez toi. You invite the man of God to la nourriture que ton house. Mari n'a jamais mangé. The food your husband les assiettes qui ne sont jamais sorties du buffet. There's plates that never get out of the cupboard. Le matin, il est là comme ça. The morning's there. Il sent qu'on allait faire le marché. Il sent que les assiettes sont sorties. Il sent qu'on a fait le marché. Il est content. Happy. Il dit on va m'honorer aujourd'hui. Said, on va m'honorer aujourd'hui. En souvenir de mon baptême. De mon anniversaire. Oh, j'ai fait la paix avec ma femme. C'est à midi qu'on sonne. Cling, long. C'est là les femmes le monsieur que. Abraham Marie Pius, tu le connais, non? Il vient manger aujourd'hui ici. Vous êtes malade? Are you normal? Vous bêtisez AMP là, ce n'est pas ici. Your rubbish of AMP is not here. Toi, ton AMP là. Yo. Envoie la nourriture ici. AMP. But just bring me the food. Le monsieur est vieux, il ne sait pas. The man doesn't know. Bonjour monsieur. He comes. Que Dieu bénisse. Sir. May God bless Dieu bénisse cette famille. God bless this family. Le mec, the man is there. C'est génial, c'est génial. Et le cinéma. You see, people like joking. C'est dans ma maison, tu vas venir bénir mon repas. In my house, you come and bless my food.
Il dit, on va bénir le repas. So we bless the food. The man look at him. Vous comprenez pas bien ce que je dis ce soir. Don't you get what I'm saying? Est-ce que vous voyez? Do you see? Comment on peut être de bonne foi? How we can have good faith? C'est trop fort, c'est trop fort. C'est trop fort, voilà. Vous voyez comment on peut être de bonne foi? How we can have good faith? On peut être sincère. Be sincere. Et puis être en erreur. And make a mistake. Tu as dit que ton mari n'aime pas ton homme de Dieu. You say your husband doesn't like the man of God. Tu as dit que ton mari est possédé. Your husband is possessed. Alors que c'est toi qui as un problème de comportement. But it is your behavior. Le message n'est pas bien passé. Finissez le verset. On va finir ce soir. And reading the verse. Ça va là? C'est bon? Is it okay? C'est très bon. Well. C'est pourquoi ici on approfondit le corps de mariage. That's why we deepen things in the soul of marriage. Avant d'entrer dans le mariage. So that you be balanced before entering marriage. On se rencontre pas dans la rue et puis on se marie. We don't meet in the street and get et puis après married. On informe son père spirituel. Et c'est marié. Inform our spiritual dad. Il y a une formation préliminaire. There's a training for that. Vous voyez si vous êtes compatibles. To see if we can be together. Vous voyez qu'est-ce que l'autre a? If, to see what the comment other on peut soigner l'autre? How we can heal comment the other? Aider? How we can help? Tu penses qu'on est contre ton mariage? We're not against your marriage. Et tu te caches pour te marier? You think we're against and you hide après and get married. Après, tu mets en prison comme aux zoo, tu es fâché. After you're locked in a prison like at the zoo and you're not happy. Lisez la fin. Read the end. Car, oh, les femmes lisez bien. Women read well. Non. Faites honneur, n'a pas de voix aujourd'hui. Vous avez la voix. Lisez. You have the voice. Read well. Mm-hmm. Car quoi car le mari est le camarade de la femme. Is it friend of the woman? Le collègue de la femme. Or colleague. Le colocataire. Or le quoi? Tenant, co-tenant, or what? Si tu rentres ce soir. If you go back home. Premier exercice. First exercise. Va honorer le chef de la famille. Go and honor the chief of the family. Tu vas tu attrapes son pied, il y a pas de honte. Go and grab his feet, chérie, without shame. Je te demande pardon. Say, honey, I ask là you for forgiveness. Là où j'ai discuté avec toi. Where I quarrel with gâté you. Ton nom. Where I spoil your name. Là où je me suis opposé à toi. Where I oppose you. Tu as dit quelque chose. You said something. Et devant les enfants, j'ai changé. Before children, I changed. Et qui a fait ça là? Who did that? Papa ne cache rien. Qui ça? That's it. Ah, oh, demande ça ici. And you said no. Mm. Si tu es femme. If you are a woman, que tu es chef de famille, and you are chief of the family, c'est que tu es possédé. Then you are possessed. Ce n'est pas ton rôle. It is not your role. La femme, the woman, est l'aide. Is the helper. Aide. The helper. Aider. Help. Le chef a fait son travail. The help did his job. Dis à la fille qui est à côté de toi. Tell the lady. À la femme qui est à côté de toi. The woman next to you. Sois délivré aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus. Be delivered to them forever in Jesus' name. On va en parler. We'll speak about. Tu vas dire, même s'il n'a pas raison, je vais even is not right, I will explain about. Allez-y. Amen. Amen. Donc si tu ne respectes pas ton conjoint, if you don't respect your spouse, tu ne respectes pas ton mari, you don't respect your husband. Nota bene. Notice. Je parle des gens couplés. Speaking of couples, je parle pas de cheminants. Not people in courtship. Il y a des cheminants qui appellent go ma femme. Some people in courtship call their mate my wife. J'ai vu plusieurs personnes monter à mon bureau. Je suis le mari de X. Several come to my office to say I'm the husband of this person. Le mari. And I was wondering, husband. Le mari. Husband. Est prise ici. Is she praying here? Si, la femme. Non. That woman. Oui, je vois. Of course. Elle est mariée. Yeah, si c'est moi son mari. Ah, son married, gars. Oui, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Faut pas te donner des droits de mari. Don't entitle yourself the right pendant of husband, que l'église n'a pas déclaré mari. While the church doesn't declare you husband. Donc il y a des gens de go et gars. They are girlfriend and boyfriend. Et les femmes possédées comme ça aussi. Hein. They are possessed women like elles that. Aiment être sous tutelle. The like be under somebody. L'ONU n'agit pas partout. UN doesn't act everywhere. L'ONU c'est dans une nation. UN act in a nation. Toi tu es une famille. You're a family. Tu peux pas te mettre sous tutelle. You can't be under the guardianship. Si vous êtes go et gars, if you are à
acceptez que boyfriend vous êtes coïncant. And girlfriend, just accept it si vous êtes like cheminant, if you're in courtship, acceptez les règles du cheminement. Accept the rules of courtship. Si vous êtes fiancé, if you're fiancé, acceptez les règles du fiançailles. Accept the rules. Même mariage traditionnel. Of engagement, even si on veut lire la Bible, traditional wedding, if you want to read vous n'avez the Bible, pas le droit de vivre ensemble. You don't have the right to c'est live ça qu'on appelle together. Concubinage. We call it concubinage. C'est pourquoi je conseille. That's what I advise. Quand il y a date de mariage, when you set the date la date marriage, de mariage doit être précédé de la date de la dot. Before that, there should be the tu finis dowry, la dot. After the dowry. La semaine qui suit, tu enchaînes le mariage. The coming week, you get married. Il n'y a pas de problème. There's no problem. Mais quand tu t'arrêtes that à la dot, but when you stop at the tu n'arriveras jamais au mariage. You won't reach marriage. Il va t'enceinter sérieusement. It will impregnate you. Un enfant sera bloqué sur un côté. A child will be un enfant sera bloqué sur un côté. And another child un enfant sera bloqué sur un côté. Et puis tu vas camper, tu vas enceinte comme ça. And you'll be walking like that. Tu marches comme un zombie. Walking like il that. Dit attends, tu vas accoucher d'abord. Quand he tu finis d'accoucher, il dit l'enfant a pris tout l'argent. After you, on dit l'enfant aussi est malade. We said the child is sick too. On enchaîne. We do all together. On enchaîne. We do all together. Si quelqu'un veut faire du sérieux avec toi, if somebody wants to be serious il te donne les trois dates. He has to give you three dates. Dots. Dowry, civil, civil wedding, église, and religious wedding. S'il n'y a pas église dedans, if there's no religious wedding, il faut te calmer. Wait. Je continue mon message. C'est août là, c'est pour la famille. August is the month of août the là, family. C'est pour la famille. Amen. Amen. Allez-y. Si tu respectes pas ton conjoint, if you don't respect your spouse, tu respectes pas ton mari, you don't respect your husband. Toutes les prières que tu fais, all the prayer you're praying. C'est de l'eau on a versé à terre. It's like nothing. C'est pourquoi? This is why. Vous allez voir les femmes. You will see women qui prient, praying, qui jeûnent, fasting, qui intercèdent, qui vont à Lourdes, going to Lourdes, qui vont en Israël, going to Israel, à Medjugorje, to Medjugorje, qui viennent en pèlerinage, going to pilgrimage, en terre de la fête de la bénédiction. Others feel blessed. Mais il y a pas une porte qui s'ouvre. But no door open. Parce que ton cœur, because your heart, est un cœur de rebelle. Is a rebellious heart. Rebelle. Rebel. 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 Ton cœur. Your heart. Il y a bombe dedans. There's a bomb in your heart. Quand t'imposes la main, ça explose. When we lay hand on you, it explodes. Les femmes là, vous souriez pas aujourd'hui. Women are not laughing today. Ah, rendez-vous dimanche. Non, avant dimanche, on n'a qu'à finir aujourd'hui là. We have to finish today first. Amen. 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 Il nous faut travailler notre comportement. We have to work on our voici ce que je veux dire. This is what I mean. Il nous faut travailler. We have to work. Quelquefois tu as raison. Sometimes you're right. Et puis tu ne parles pas. And you don't speak. Tu sais où tu vas régler ça. You know where you'll sort tu es obligé de montrer que you're not obliged to show Jean-Toi, tu es allé à l'école. That you went to school. Il parle, tu parles. He speaks, you reply. Parle, parle. He speaks, you reply. Je t'arrête. I stop. Non, là c'est faux. Yes, je t'arrête. J'ai dit je t'arrête. I stop you. Et puis ta main dessus. On your, il faut your casser finger toi, is pointing là, casse, at your husband. Casse ça. Tu as cassé qu'on a mis plate dessus. If your finger is broken by the husband, she won't raise it anymore. Si c'est guéri qu'elle fait encore, tu casses if au milieu. It is here. She does again, break the arm. Tu vas te parler comme ça. She will speak like that. Ne faites pas ça. Don't do that. Fais ça une fois puis ne fais plus. Just once and stop. Si tu as fait qu'elle allait à la police, tu vas en prison. Hein? If you do, she goes to the police, you'll be jailed. Il y a des problèmes comme ça, la belle famille prend. C'est même pas toi qui dépose la plainte. La belle famille passe de l'autre pour dire que the c'est pas possible. Will say, si la belle famille connaît le commissaire, if they know elle the connaît police, le procureur, commissioner, the prosecutor, then it will be serious for on you. Dit qu'est-ce qui s'est passé? They'll ask what happened. Et moi, c'est frappe, am I the only one beating my wife in Abidjan? They'll say, okay, let us go to the court. Je continue, je finis rapidement. Quand on n'est pas préparé à être ensemble, when we're not prepared to on n'est pas together, préparé au mariage, we're not prepared for marriage. Il faut être moins exigeant. We have to be less demanding. Les gens ne sont pas préparés. Some people aren't ils sont prepared. Exigeants. They are demanding. Tu vas où? Where are you going? Tu as quitté où?
Where are you from? Tu vas prier tous les dimanches comme ça? From? You go to the prayer every Sunday. Quand tu n'es pas préparé à entrer dans le mariage, while you're not prepared to get into marriage, il faut être moins exigeant. Be less demanding. Amen. Amen. Apprends à moins parler. Speak less. Quel que soit le problème. Whatever the problem. Apprends à moins parler. Speak less. Quel que soit le problème. Whatever the problem. Apprenez à mettre l'accent. Emphasize. Sur les potentialités de votre conjoint. On the potentials of your spouse. Au lieu de le dénigrer. Instead of despising. Au lieu de l'exposer. Instead of exposing. Au lieu de le condamner. Instead of condemning him. Apprenez à mettre l'accent. Learn emphasizing. Sur ses qualités. On qualities. Au lieu de présenter ses faiblesses. Instead of showing his weak le mariage marriage est un acte d'obéissance. It's an act of obedience. An act of obedience. Si tu n'es pas habitué if you're not used à être obéissante, to be obedient, à être soumise, to be submitted, tu ne pourras jamais te marier. You will never get married. Parce que dans le mariage, because in marriage, tu vas trouver encore qu'on te commande. You will pourquoi find tu me people commandes? To give you orders. Pourquoi tu me parles comme and ça? You say, why they pourquoi give you tu order? M'as dit ça? Why they tu say aurais that? Dû comme ça. You tu aurais pu. Don't tu aurais it dû, like that. Tu aurais pu. You could quand c'est comme ça, là, la Bible même like dit, that, appelle says, ton frère call dans your le secret. Secret. Tu aurais pu. Tu aurais pu. Tu aurais pu. Tu aurais pu. Ce n'est pas affaire de aurait. It's not about pour entrer dans le mariage, to enter marriage. C'est pourquoi Dieu va t'envoyer dans une communauté God will et puis on va t'apprendre l'obéissance. They'll teach you obedience. On te met en public they'll et puis on te sanctionne you in public, et puis on te vit et puis on te vit quand ton âme est habituée à l'obéissance, au respect. L'homme de ta vie peut venir. Mais si ton cœur est résistant, ton cœur est rebelle, ton cœur ne supporte pas l'autorité, enceinte, le moment enceinte. You'll be impregnated, mais marié là, ça ne viendra but pas. Never get married. Puisque tu es enceintable, because you can be mais tu n'es pas mariable. But you can be married. Il y a des femmes qui prennent une grossesse. Some women. Tu n'as pas envie de l'enceinter deuxième fois. God pregnant, you don't want to impregnate c'est qu'elle va te monter dans la grossesse. A second time because they will show you something. 3 heures du matin. Va payer banane braisée pour à 3 heures du matin banane braisée à bien ici. You to go and buy braised plantain. Tu me parles mal tous les jours comme ça? Are you going to speak et tu vas me rappeler que ton gynéco dit que c'est le taux de testostérone. C'est à moi que tu as fait études de médecine. To me you teach things. Matin, je suis sous le soleil. Under the sun. En train de chercher mon pain quotidien. Looking for my daily bread. Toi, ton petit enfant là. Your little child. Va payer placali pour moi. Go and buy placali. Le quartier qui est rempli de microbes comme ça là. The area filled with delinquent. Il y a des femmes qui exagèrent. Petite grossesse là. The little pregnancy. Tout ton argent va finir dedans. All your money will be spent in that. Même quand le gynécologue ça va, elle dit mais ça va pas. Aide-moi. She said no, I'm not. Si il m'aide pas aujourd'hui, c'est qui il va aider? Aide-moi. If you don't help me, who will you help? On prend la grossesse. We take the pour régler des comptes. To sort out things. Allô, tu es où? Where are you? J'ai envie de te voir, je suis trop seul. I want to see you, I'm alone. L'enfant tourne dans mon il tape mon ventre. He's turning. Où il veut voir son papa? Tu es où? Tu es où? Tu es où même? Where are you? Dans ton cœur, tu dis. In your heart, you say. What's that? L'enfant là. This child. N'a qu'à être l'enfant unique. Should be the only child. Mais tu es frustré. You're frustrated. Tu vois d'autres qui ont 9 mois de grossesse. You see other 9 months of pregnancy. They are exercising. 1 mois. Le ventre n'est pas encore sorti. You just have 1 Un month. Mois. Tu te dis, mais et si tu as 9 mois? You'll be like that. What of 9 months then? J'ai fini mon message. Let me end. Est-ce que vous comprenez comment vous pouvez remettre en cause votre mariage? Do you get how you can? Est-ce que vous voyez comment vous pouvez question fuir quelqu'un? You can make somebody flee. Vous pouvez chasser quelqu'un. You can cut somebody l'absent out. Va pas parler. The person won't mais l'absent speak, va encaisser. But the person l'absent will va encaisser. Quand tu receive l'absent disparaît. After you give birth, the person will disappear. C'est ça qu'on appelle les blessures intérieures. We call them inner wounds. Vous êtes trop calme ce soir. Ça m'arrange pas quoi. You're so calm. Les femmes là, dites-moi amen que je continue. Women say amen. Ne sois pas obligé qu'on te gifle ou qu'on te blesse avant que tu ne te taises. Don't be obliged to be slapped before you shatter. Apprenez à parler calmement à votre mari. Learn to speak slowly to your husband. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. I'll tell you something that c'est un déséquilibre. It has been d'obéir to obey et de craindre ton papa.
and to fear qui t'a mis au monde dad will give birth de manquer de respect and to à celui qui est ton mari. Have lack of regard to your husband. J'explique mon idée. I'm explaining. Ton papa. Your dad. Nous bénissons Dieu pour sa vie. We bless God for his life. On rend grâce à Dieu pour sa vie. We thank God for his life. Papa. Dad. Gloire à papa. Glory to dad. Honneur à papa. Honor to dad. Louange à papa. Praise to dad. Le rôle de papa s'arrête. The role of dad stops. Quand à la mairie. Other home. Il marche avec toi comme s'il fait défiler. When he walks with you. Il s'en met ta main dans la main de quelqu'un. As in a procession. C'est pourquoi on ne rentre pas sur la mairie. You to somebody. À la mairie là. At the city hall. On dit ça suffit pas. It's not enough. Marchons encore pour aller à l'église. Let us go to the church. Et puis le jeune est assis comme ça. And attends. The young man is there. Quand la fille marche. When the girl walks. Quand elle dit au revoir papa. She says bye dad. Bye dad. Je suis parti. I'm gone. Merci. Thank you. C'est fini. It is over. Et puis vous, tu embrasses le monsieur. And you kiss the man. Et puis tu lui donnes la main de ta fille. And you give the hand c'est of your transfert de girl. Pouvoir. A transfer of power. C'est pour dire que je disparais to de say, la vie I de ma disappear fille. From the life of désormais, my daughter. Henceforth, c'est toi qui prends le contrôle. You take control. Et maintenant, devant la messe, and now, before devant l'autel, the altar, the dans mass, la cérémonie, in the ceremony, Jésus, Jesus, qui est le Père de l'Église, Father of the chef church, de l'église, the chief of the Jésus, church, Jesus, à qui nos corps appartiennent, to whom our bodies Jésus, belong, Jesus. Notre corps est le temple de l'esprit. Our body is the temple of maintenant the spirit. Dans le sacrement, now in the sacrament, dans les rites, in the rites, le prêtre the priest va donner l'autorité will give authority matériellement materially à celui maintenant avec qui tu es venu. To the one who came with, à partir du mariage, là, from the marriage, ton papa est mort. Your dad is c'est over terminé. For your dad. De temps en temps, from time to time, on peut lui passer un coup de fil. You can call him. Mais si ta vie but if your life continue de dépendre de tes parents, to depend on your parents, que tu es possédé, then you're possessed. Si tu ne comprends pas ça, if you don't get that, tout sera conflictuel. All will be quarrel. Papa t'appelle. Dad calls you. Ton mari t'appelle. Your husband calls you. Tu dis à ton mari. You tell your husband. Mon papa m'a appelé. My dad called. Allons chez mon papa. I'm going to my je dad. Je n'ai pas marié ton papa. I didn't marry your dad. C'est ton papa qui m'a envoyé. Your dad. Il t'a pris dans la main. Tu t'en souviens pas? And brought you to me. Le nouveau chef c'est moi. The new head is me. Papa est ancien chef. Dad is the former head. Le nouveau patron c'est moi. The new boss is me. Comme zone c'est moi. I'm the money yeah. Now. Yeah. Ton programme dépend de moi. Your plan depends on me. Donc papa négocie avec moi. So dad negotiate with donc me. Donc un programme ne peut plus être conflictuel. So a plan can be papa a besoin de moi. Quarrel. Mon mari a besoin de moi. Dad needs me. My husband. Il y a pas match mon mari. Me. I choose my husband. Ma famille avant a besoin my de moi. Family needs me. Mon mari a besoin de moi. My husband il y a pas match, me. C'est ma nouvelle famille. No reflection. Ce n'est pas satanique. Family. It's not ce n'est demonic. Pas diabolique. It's not mais c'est biblique. Demonic, but biblical. C'est pourquoi la Bible dit this is why the Bible l'homme says, man quittera sa famille, will leave his son family, tonton, his kindred, sa tante, his son auntie, oncle, his uncle, et s'attachera à la femme and we'll qui est déjà détachée, wife, qui est déjà détachée, who is à qui on est venu lui donner. Et les deux ne feront maintenant qu'une seule chair. Two of them will be tu ne peux pas être ton mari, flesh. Vous êtes une seule chair. You can be one et tu tires la tête de ton père, mets sur toi, la tête de ta mère, mets sur toi. Non, your dad and mom il faut grandir. You have to c'est be ça la responsabilité. That is responsibility. Et si vous n'êtes pas fort, if you're not c'est ça qu'on appelle les réclamations. We call them claiming. Le père va jouer sur ton intelligence. The dad will play la on your mère va jouer sur ta conscience. The mom will play on your même si on est marié, even you're married, n'oublie pas d'où tu viens. Don't forget your de temps en temps, passe ton saluer. From time to time you have non, to c'est terminé. It is over. Mon nouveau programme, my new plan. C'est ce que ma femme veut. It's what my c'est wife ce que mon mari veut. What my husband mon nouveau programme, the new plan. C'est l'avenir des enfants. C'est terminé. Je ne me je ne me marie pas pour aller construire une maison pour ma mère et pour mon père. Mais je me marie pour rendre heureux mon conjoint. Qui comprend ces choses maintenant? Who gets those things now? Qui comprend ces choses maintenant? Who gets those things now? La femme n'a pas d'autorité. The woman doesn't have son corps appartient à son mari. A body belongs to her husband. Oh, c'est fini ça. It is over. Ses erreurs. Her mistake. Le monsieur veut lancer ses reins. The man wants to. C'est maintenant que tu as dit que je jeûne. To have it away with je jeûne. Her. She says, no. Le monsieur en bas il t'attend. The man is waiting. Toi tu es au troisième étage. You go to the first. You want to. Ça coûte monsieur tu as allumé un sang et bougie là. You light ça incense and candle. Non. He won't be distracted. La Bible
dit, the Bible says, s'il ne doit pas te punger, if he should not s'il doit pas te faire, have it away vois, with you, la pungelition. S'il ne doit pas faire, c'est que vous deux vous êtes entendus. Have it with you. Vous deux vous êtes entendus. It means that both of you agreed. À cause de telle chose, because of vraiment, this thing and that thing. Pardon, hein. Et puis il est d'accord. And mais Jean te dit la prière. Souhaite la bénédiction. Exercice de la semaine. Exercise of the week. Lundi, mardi, mercredi. Monday, Friday. Tout le monde sur la montagne. Everybody on the hill. Le monsieur n'est pas sur la montagne. The man isn't on the hill. Il est sur la colline. He's not on the mountain, but on the hill. Il te cherche, tu dis tu jeûnes. Il te cherche, tu pries. Il te cherche, tu es en train d'adorer. Non. You're worshiping. Non. La Bible dit. The Bible says. La femme ne doit pas se refuser à son mari. Oh. The woman should not refuse herself the body to her husband. Le mari est le chef de la famille. The husband, the head of the family. Ça ne sert à rien. It is of no use. De régler les problèmes. To sort out problems. En portant les jeans pour dormir. Wearing jeans to sleep. Ça ne sert à rien. It is of no de use. De mettre un coton alors que ce n'est pas le temps de tes règles. To put cotton while it's not the time for your period. Je vais vous délivrer ce soir. I will deliver you. Ton corps appartient à Dieu. Your body belongs to God. Maintenant, Dieu a donné ce corps à ton mari. God gave that body to your husband. Il a le droit d'usus, d'abusus et de fructus. He has the right to enjoy your body. Si. Si. Of course. Est-ce que je peux vous parler rapidement pour finir? Can I speak to you and finish? Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Marriage is not a game. C'est pourquoi les gens qui ne sont pas sérieux n'aiment pas le mariage. That's why those who are not serious don't like marriage. Vous voyez des gens qui ont un certain âge. You see people with a certain mais qui ne sont pas prêts au mariage. They are not ready to get il faut married. Les comprendre. Understand them. C'est des enfants dans la tête. They are children. On peut être enceinte mais sans être responsable. You can be pregnant without being responsible. Le mariage c'est pour les gens sérieux. Marriage is for serious people. Comment ton caractère peut détruire ton couple? How your behavior can destroy your couple. Le monsieur t'a fait fâcher, c'est vrai. The man got you mad. Mais il y a une façon de régler les problèmes. There's a way to sort out problems. Une atmosphère. An atmosphere. Une heure. Now, et un lieu. A place. On ne règle pas les problèmes. We don't sort out problems. En portant des jeans pour dormir. Wearing jeans and sleep. Là où les femmes sont mauvaises, mon fils. Where women are wicked, je my t'expliquer. Son. I will explain. Comme tu n'es pas encore passé par là. As you didn't go through yet. Là où elles sont mauvaises. Where they are wicked. Les femmes sont méchantes. Hein? Women are wicked. Quand tu es en mouvement, when you're moving, elles te regardent. They look at you. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé, elle est là. There's something they have not sorted out. C'est ce jour-là. This day. Elle porte son petit caleçon. They wear the little underwear. Sa musette. Elle se pommade. And they put ointment. Elle met son parfum. They spray perfume. Toi, tu penses que c'est à cause de toi. You think it's because of you. Tu détends tes pieds. You relax your legs. Elle vient se couche. She comes and lay. Tu penses qu'elle s'est préparée. You think she prepared. Quand tu mets la main comme ça. When you put your hand like that. Your hand goes back. Ta voix devient petite. Your voice becomes little. Chérie. Honey. Chérie. Honey. Qu'est-ce qu'il y a? What is happening? Il y a quoi comment? She said, what? Le gaz là, tu n'as wrong. Pas payé. You didn't pay the ma bottle pomade, of gas. Pas even my ointment. T'es sûr tu n'as pas payé? You didn't buy. Non, y a pas de problème. Y a pas I quoi? Said, no problem. C'est maintenant elle va se lever. Now she will stand and walk. Elle s'est endormie dans la chambre des enfants. She's going to sleep into the children's bedroom. Entends, tu es déjà dans ton chocolat fleuri. Why you already? In your shirt with ton flowers, chocolat rouge. Your red attaquant des pointes. Strike. Et tu es en pointe. And you're about to strike. C'est là tu marches comme ça pour aller chez les enfants. Then you walk like that to go to the children's bedroom. Chérie, ne réveille pas les enfants. Honey, don't wake up maintenant, the children. Maintenant, elle parle fort. And she speaks loud. Ah, les enfants dorment. Il faut aller loin. Children are sleeping. Go far. Tu peux pas la tirer de la chambre des enfants. You can draw her from the bedroom. Entends, tu es en pointe. Why? Ton cœur te fait mal. Your heart pains you. Ton cœur te fait mal. Your heart pains ton you. Ton cœur te fait mal. Your heart pains elle fait comme si elle a oublié que je Pierre revient encore. She does a, she forget, got tu penses qu'elle a changé d'avis. She comes back, you think she changed et aussitôt elle est pas. But as soon as you see her, she goes back. Dis à la femme qui est à côté, pourquoi vous êtes méchante comme ça? Tell the woman next to you, why are you so wicked?
Est-ce que je peux finir mon message? Can I hand my message? Si une femme veut te tuer, peut te tuer. If a woman wants to kill you, she can. Quelqu'un m'entend? Somebody hear me. On peut prier maintenant? Can we pray now? Le mariage en conclusion. In conclusion. Est un acte sérieux. Marriage is a serious act. Comment le comportement? How the behavior peut te déstabiliser? Can debilitate you. Cet exemple que j'ai donné là. That example I gave. Regarde si ton mari est païen. See if your husband is a pagan. Si ton mari est rancunier. If he bears grudges. Si ton mari est pas méchant et il se calme pas vite, comme on dit ça, il est impulsif. If he loses his temper. His, s'il a une voiture. If he has a car. Il se rhabille. You will get dressed et puis sort. And go out. Tu n'as pas réglé le problème. You didn't sort out the problem. De toute façon, il était en pointe là. The way he was. Pour lui, s'il descend, comment ça, il honte. If he gets down, it's donc, a il va shame. Te montrer qu'il n'est pas la seule femme. He will show you you're not the only et woman. Puis s'en va. And leave. Et il reconduit ça chaque semaine. And we do it every week. Jusqu'à celui-même, il a la paix du cœur. Until he has peace in his heart. Et tu n'as rien réglé. You didn't sort out anything. Qu'est-ce que je veux dire? What I want to say. Il y a une façon de chrétienne de régler des problèmes. There's a Christian way of sorting out problems. Ne te refuse problems. Pas à ton mari. Don't refuse your body to a laisse-le husband. Faire son travail. Let him do his work. Même s'il ne se lave pas. Even doesn't ce n'est pas bath, ton affaire. It's not your problem. Même si tu es malade. Even you sick, il n'a qu'à faire un peu. He can do a little bit. Ah. Ça dépend de la maladie. It depends on the disease. Le mari aussi. Their husband. Dis, attends, fais un peu. So let me do a little là, bit. Je ne suis pas disposé. Il dit, mais où, ce qu'elle fait, ça n'a rien à voir avec ta disposition. Toi, c'est ta tête, moi, c'est en bas là. He say, you are not disposed your head. I just want non, il faut dormir, il faut dormir. Moi, je vais faire le travail. Il faut you dormir, il faut dormir. Non, non, il faut dormir, il faut dormir, il faut dormir. Just sleep. C'est là que tu vas dire. And you will tell him. Il faut me respecter. Respect, respect mon corps. Respect my j'ai pas envie, j'ai pas envie. I don't want. C'est vrai, tu as raison. You're right. Mais tu n'as pas réglé le problème. But you didn't sort out the c'est quoi l'objectif de mon message? What is the aim of je suis message? En train de dire que I'm saying, on a toutes les raisons de se fâcher. We have all reason to on get a toutes angry, les raisons de refuser. All reason on a for toutes les raisons de fermer le corridor. To shut, mais spirituellement but spiritually, et bibliquement, and biblically, si on réagit comme ça, if we react this on est en train way, de pousser le conjoint dehors. We're pushing the spouse out, autant régler les choses en interne. Better sorting out autant le laisser faire son travail. Internally, let autant le laisser prendre son work, cheval. Autant le laisser galoper. Let him quand il est fatigué, qu'il redescend. When he's tired, la respiration descend. And he's le cœur ne bat plus en breathing, en saccade. Yes, down. À la chamade. And his heart no longer beats fast. Et que tu sens que la vitesse est en train de changer, la vitesse redescend. La vitesse redescend. The speed quand il redescend, puis il soupire. Tu dis, chérie, he's relieved. You ça fait trois jours que tu ne nous as pas donné de déjeuner. Honey, for 3 days we comment didn't je peux have supporter breakfast. Déjà que tout le 3 heures du matin je ne dors pas. I don't sleep. Si je mange pas, je peux if travailler I comment? Eat, what can et I chérie, do? Honey, voici l'enfant n'est pas à l'école. He has the child. Et chérie, didn't go to school. On honey, est venu couper le courant. They cut the power. Le thème de la voix a changé. Le ton a changé. The la manière of the a changé. Changed. Et l'atmosphère est changed. Bonne. The atmosphere is le monsieur good. Va commencer à pleurer. The man will cry. C'est moi j'ai fait ça. I did that. C'est moi qui me suis comporté comme ça. I misbehaved. Non, ce n'est pas possible. That's not non, on va possible. Rattraper, on va rattraper ça. I will catch c'est en ce moment là que tu sors ton chéquier. And you, chérie, pardon, avant de dormir, il faut signer le chèque. Honey, sign the check. Tu as vu que tu as gagné, non? So you won. Ça n'a rien à voir it has nothing to avec do. Une femme spirituelle. With spiritual ne root. Me touche pas. Ne don't me touche pas. Me. J'ai pas envie. Va te laver. I don't want. Tu sens mauvais. Go c'est quoi ça là? Viens tes ongles. Non, 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 non. You smell bad. Ton mari n'est pas venu faire Miss Monde. Lui, your il est venu lancer ses reins. It's not for a beauty contest. He just want to have it away with you. C'est un mois de formation. Hein? It's a month of training. Je ne suis pas en train d'être vulgaire. Je suis en train de préparer le cœur. I'm preparing et désarmer heart. Le cœur. Qui est prêt à rentrer dans le mariage? Who is ready to enter marriage? Où il dort pas dehors quand il vient? You don't sleep. C'est toi qui ouvres le portail. When he come, tu dois you gagner open the le match à l'intérieur. You have to win the game. Ne le laisse at pas être house. Confortablement assis à l'extérieur. Don't let him be comfortable il est à l'extérieur parce outside. Qu'il n'a pas à l'intérieur.
ce qu'il n'a pas à l'intérieur, il a ça à l'extérieur. Outside because he doesn't have it inside. Le monsieur se débat et se débat. The man struggles. C'est ça qu'on parlait, hier. We were speaking of that yesterday. 1 minute, 2 minutes. It struggled for 1 minute. Elle dit non, tu as fini. She says, is it all? C'est fini comme ça. Is it all? Donc de m'habiller. Should I get dressed? Mais c'est une blessure. That is a pain, a wound. Tout le monde n'est pas obligé d'être endurant. Everybody is not obliged to be enduring. Tout le monde n'appelle pas durant. Everybody is not enduring. Tu dois habituer ton mari à ton rythme. You have to accustom your husband si to your rhythm. Si tu sais qu'il a des éjaculations précoces. If you know he has early ejaculation. Tu dois le manager. You have to manage. Le préparer. With him, prepare it. Le challenger. Challenge des him. Des petits jeux. Little game. Une atmosphère. An atmosphere. Oui, il tombe pas sur toi comme une montagne. He won't fall on you as a mountain. Il est chaud, tu le calmes. Il est chaud, tu le calmes. It's hard to calm him down. Aujourd'hui, il va faire un effort. You make an effort. 2 minutes. 2 minutes. Demain, 5 minutes. Tomorrow, 5 minutes. Oh, 10 minutes. Et puis tu le félicites. Ah, tu as vu, chérie. Mais tu es un garçon. Tu es un garçon. Tu es un garçon. You're a man. Le monsieur se débat jusqu'à tous ses muscles. The man is struggling with all his muscles. Fini. And you tell him. C'est fini. Is that all? Non, c'est à cause de ça. C'est fini. Was it because of that? Lui, dehors, ne lui dit pas ça. Outside, don't tell him that. Dehors, même quand il fait 3 secondes. If he only spent 3 seconds outside. Il dit, c'était bien, c'était merveilleux. They tell him, it was good, it was marvelous. À la maison. But at home. Où il a besoin d'être encouragé. Where he need encouragement. Tu dis, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Is that all? Ah, faut me fatiguer comme ça. Hein? Don't bother me. On va se lever, prions le Seigneur. Let us stand and pray to the Lord. Qui a compris mon message? Who got my message? Baissons la tête. Let's bow down our heads. Demandons pardon, Seigneur. Let's ask the Lord for forgiveness. Que le diable ne détruise pas ton foyer. The devil shouldn't destroy your household. Que les pièges ne reviennent plus dans ton cheminement. The trap shouldn't get into your courtship. Amen. 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 La personne qui vit avec toi. The person living with you. Doit partager tes projets. To share your project. C'est un déséquilibre. It has been a balance que tu vives avec quelqu'un that you live with somebody qui n'est pas informé de tes projets. Who is not informed of your tu ne connais même pas ses projets. You don't know his project. Les gens de dehors the people from connaissent outside mieux des projets que toi tu as know better your par rapport à ton conjoint. Compared to your non, ce n'est pas normal. Spouse, that's not c'est normal. Un déséquilibre. That has been unbalanced. Tu es déséquilibré. You're unbalanced. Il y a un boulon qui a sauté. Something is not right with celui you avec qui tu vis the one you live doit with être informé de tes projets. Of your project. Même si la personne n'est pas sur le terrain. Even the person is not même si the ground la personne n'est pas entrepreneur. The person is même not si la personne n'est pas là à l'école. An entrepreneur. Au moins la personne sait school, the person ce que son conjoint est en train de réaliser. What his spouse is mais doing. La personne ne sait rien. But the person doesn't know anything. Tu vas, tu viens. Tu vas, tu viens. Come back. La maison, ce n'est pas un marché. The house is in the market. C'est pas une poubelle. Is on the bin. Baissons la tête et parlons au Seigneur. Let's bow down our head and speak to the Lord. Baissons la tête, parlons au Seigneur. Let's bow down our head and speak to the Lord. Baissons la tête, parlons au Seigneur. Let's bow down our heads and speak to the Lord. Baissons la tête, parlons au Seigneur. Let's bow down our heads and speak to the Lord. Demande pardon au Seigneur. Ask forgiveness to the là Lord. Là où par tes humeurs. Where for your mood. Là où par ton comportement. Where for your behavior. Tu as fragilisé l'appel de Dieu. You made the calling frag. Je t'en supplie. I beg you. Parle à Dieu ce soir. Speak to the Lord. Parle à Dieu ce soir. Speak to the Lord. Et puis les femmes, là, évitez. Women, évitez. Avoid. Ah mais attends, arrêtez de prier. Attendez. Stop praying. Je n'ai pas fini avec vous. I've not finished yet. Évitez. Avoid. De faire votre rosaire. To pray a rosary. Pendant que le monsieur est au cheval. While the man wants to do it. Le monsieur est en train de the man is working. Puis ton rosaire dans ta main. And you have your rosary. Et vous salez, mais tellement ça te dit bien. Praying Hail Mary, as you don't care. C'est une foutaise. That is a lack of rest. C'est quelle prière qui ne peut pas attendre? The prayer can wait. Faisons vite, j'ai fait mon rosaire. Let's do quick. I'll c'est pas un rosaire, t'as marié. It's not the rosary. You tu as laissé rosaire te venir habiter dans ma maison. You let your rosary and came to my house. Donc abandonne ton rosaire. So abandon that rosary. Pendant que je veux être sérieux. When I want to be serious. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur, t'as aimé. You're praying. Saint Antoine de Padoue. Priez pour nous avec nous. Bénissez-nous. Si tu venais pour me dire, je vous salue donc, mystère douloureux. Non. Ça, c'est quoi ça là? What's that? Non, le modérateur dit, on doit être en communion d'esprit. You said the moderator should be in communion of spirit. Mets ta main sur ton cœur. Put your hand on your heart. Parle à Dieu ce soir. And speak to God. Parle à Dieu ce soir. 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 Speak to God. Amen.
Amen. Le dernier point, the last point de cette conclusion, of this conclusion, je veux qu'on comprenne. I want we understand. Nous les garçons là, we men, la majorité là, most of us, on est envoûtés. We are bewitched. On est possédé. We possessed. On est sous influence. We are under influence. C'est pourquoi la femme, this is why the woman, doit sauver le foyer. Has to save the household. Doit sauver le cheminement. Has to save the courtship. Doit sauver la situation. Has to save the situation. C'est pourquoi, this is why, la femme vient toujours pour aider l'homme. The woman should help the man. Donc quelqu'un qui est envoûté. Somebody who is bewitched. Quelqu'un qui a une pression. Somebody who has a pressure. Quelqu'un qui est possédé. Who is possessed. Il ne faut pas se comporter à lui. Don't behave with that comme person, s'il était un moine. As if the person comme was s'il a doit monk, comprendre normalement la vie. The person should understand normally life. Il y a une pesanteur. There is something, il y a une pression. A pressure. Il y a un combat. A fight. Il y a une antipathie. There is, il y a une animosité. Opposition. Il y a une adversité. Adversity. Alors vous en tant que femme, you as a woman, remplie de l'esprit, filled with the spirit, vous devez maintenant, you should now, changer les choses en votre faveur. Change things in et les choses favor se font comment? Oh. Par la prière, through prayer, par la sagesse, through wisdom, par un accompagnement, through apprendre à s'ouvrir. Accompaniment. Le problème de témoin encore revient. The problem of avoir de bons témoins. Have good, on ne choisit pas les témoins par amitié. We don't choose, on choisit des personnes because they are friends, qui sont capables de nous remettre au pas. Who able to give on choisit comme ça les témoins. Direction. Alors ce soir, this evening, je vous invite à mettre la main sur le cœur like you to put your hand et on nous your prenons heart, ce cantique. Change mon cœur. Change mon cœur. Ensemble nous chantons. Change my heart, let us sing it. Change mon cœur. Seigneur Jésus, Lord Jesus, je t'aime de tout mon cœur. I love you from all my heart. Tu m'as créé homme. You created me. Tu m'as man, créé femme. You created me woman. Tu m'as fait à ton image et à ta ressemblance. You made me in your image and resemblance. J'accepte ce soir. I accept this evening. La responsabilité de conjoint. The responsibility of spouse. La responsabilité d'époux. The responsibility of spouse. La responsabilité d'épouse. The responsibility of spouse. J'accepte ce soir. I accept this evening. La responsabilité de femme. The responsibility of la responsabilité woman, d'homme. Of man. J'accepte ce soir. I accept this evening. Avec ou sans le mariage. With or without marriage. La responsabilité d'aider mon conjoint. The responsibility to help my spouse. J'accepte ce soir. I accept this evening. La responsabilité. The responsibility. De changer mon cœur. To change my heart. D'ouvrir mon cœur. To open my heart. De pardonner. To forgive. D'aider mon frère et ma sœur. To help my brothers and je prends sisters. Cette décision ce soir. I make that decision this en evening. Comptant sur ta grâce et ta miséricorde. Counting on your grace and mercy. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Pardon encore. Forgive me. D'avoir mal compris ton message. For badly understanding je your décide message. Ce soir. And I decide this autant evening, que faire se peut. As much as I can. De réparer toutes ces blessures to fix all those wounds, infligées à mon conjoint, inflicted to my spouse, infligées à mon père, inflicted to my husband, infligées à ma mère, inflicted to my mom, infligées à mes enfants, inflicted to my children, infligées à tous mes collaborateurs, inflicted to all my collaborators. Je te demande
de me faire la grâce d'avoir un cœur d'enfant, un cœur simple, un cœur humble, un cœur de soumission. Seigneur Jésus, je souhaite être heureux et épanoui. Fais-moi la grâce d'atteindre ce niveau. Fais-moi la grâce d'expérimenter cette dimension et que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Marie notre mère. Merci Saint-Padre Pio. Et que la gloire te revienne. Et quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Alléluia.